Bonjour. Aujourd'hui, messieurs, dames, on va parler de breakdown. Mais qu'est-ce que c'est que les breakdown? C'est un truc très connu de l'industrie des effets spéciaux où toutes les grosses boîtes d'effets spéciaux dans le monde vont décomposer des plans qu'ils ont fait pour des films en général très connus dans le but de faire leur pub, dans le but de faire leur bande démo, leur promo. Genre, regardez, on a des grosses couilles, on fait des gros projets, on est incroyable. Ils vont montrer des avant-après de tout un tas de plans. Et je voulais qu'on en regarde un peu ensemble parce que du coup, c'est sympa, ça permet de décortiquer des films qu'on a souvent tous vus et puis de voir un petit peu comment ils travaillent, ces gens. C'est toujours intéressant. Avant que la vidéo commence, je me permets de vous parler d'un de mes nouveaux projets. Je viens de me mettre à streamer en direct sur Mixer tous les lundis à 18h. Je fais une libre antenne où on parle de technologie et où vous pouvez venir intervenir, poser des questions et discuter avec moi et tout le monde. Ça me ferait vraiment plaisir que vous veniez essayer de regarder l'émission, me dire si ça vous plaît. Et n'hésitez pas à me follow sur Mixer. Le lien est dans la description. Et maintenant, place à la vidéo. Alors c'est parti, dans la liste, j'ai Avengers Infinity War qui a été fait par Framestore. Faut savoir que dans ce genre de film, il y a très souvent plusieurs studios d'effets spéciaux qui travaillent parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes spécialités. Il y en a qui sont très bons pour faire les créatures, donc ils sont mieux pour faire les environnements. Et là, c'est Framestore, je connais pas leur spécialité, mais ils ont travaillé dessus. Voyons voir ce que ça donne. Ah ouais, c'est une dinguerie ça. Ah mais ok, même l'environnement était faux, mais ça c'est pas étonnant. Waouh. Mais souvent, ce qui est assez impressionnant dans les films hollywoodiens, moi ce qui m'impressionne le plus en effets spéciaux, étrangement, hein, c'est tout ce qui est le travail de simulation. Tout ce qui est fumée, explosion, débris et tout. Quand un truc casse à Hollywood, il n'y a pas un petit débris. Il y a 8000 petits débris et tout machin. Et tout ce qui est simulation de trucs physiques, c'est incroyable, tellement il y a des artistes qui sont très très forts à ça quoi. Là pareil, putain, regardez, tiens, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple d'un truc, ça va vous faire marrer. À votre avis, je vais vous montrer un plan et vous allez me dire qu'est-ce qui était le plus dur à faire. Dans ce plan là, on peut se le repasser plusieurs fois. Donc il met ses bras comme ça et il y a des machins qui apparaissent. Et bah à mon avis, sincèrement, un des trucs les plus chiants, c'est le tracking. Parce qu'en fait, vous avez une caméra, ok, qui bouge n'importe comment, qui est configurée de telle façon à avoir ce qu'on appelle du motion blur. Donc quand il y a des grands mouvements, les mouvements sont flous. Et il faut quand même réussir à suivre les demande quelqu'un pour incruster un truc parfaitement autour et que ça ne slide pas et tout, que ça reste vraiment exactement à l'endroit où ça doit être, qu'il y ait ce mouvement. Franchement, c'est du travail manuel, hein, bien sûr, à ce niveau-là. Hein. C'est pas des trucs automatisés, mais ça doit être lourd à faire, quoi. Et ils montrent absolument tout, c'est génial. Hein. Ils arrivent même à simuler les muscles sous la peau, c'est ce qu'on voit là, avec cet œil-là. C'est vraiment très fort, quoi. Oh là là, mais alors ça, c'est pareil. Vous voyez ça? Attendez. Vous voyez ce truc-là? Ça veut dire qu'ils ont dû suivre les mouvements d'un vêtement et la façon dont il se plie. Le niveau de bordel, incroyable. Vraiment du très très beau travail. Là, ils ont carrément recréé un modèle de Robert Downey Jr. en 3D. Le but étant de le matcher au vrai Robert Downey Jr. Et c'est plus simple pour lui mettre des faux vêtements pour que tout se suive et simule correctement, quoi. Ah voilà, alors les débris, on en parlait, mais voilà, typiquement, quoi. Oh, mais le niveau de planification au tournage qu'il faut pour que tous ces plans-là s'enchaînent parfaitement après. Voilà. Mais c'est pareil, là, le plan de Spider-Man, il y a tellement de petits détails. C'est horrible. Faut savoir qu'il y a une étape dans tout ça qui s'appelle le compositing. Le compositing, c'est quand tu prends tes éléments 3D, tes éléments que t'as filmés et que tu mets tout ensemble pour faire une image finale. Et en fait, le compositing est tellement, mais au millimètre près. Faut savoir aussi que quand ils ont des modèles 3D dans les films hollywoodiens, c'est pas juste un fichier avec le modèle 3D, un fichier avec la vidéo originale. Il y a tout un tas de passes. Il peut y avoir, mais des dizaines de passes pour un seul modèle d'Iron Man, par exemple. Peut avoir une passe pour uniquement la réflexion dans ses épaules, la couche de terre qu'il a sur ses chaussures parce qu'il a marché dans la terre, enfin, pour qu'on puisse ensuite au compositing justement ajuster tous ces petits détails un par un et que ça rentre bien, quoi. C'est pareil, c'est magnifique, mais ça, ce modèle là par exemple, ce rond là, il est composé de tout un tas de petites pièces individuelles que des gens ont dû modéliser, quoi. J'aimerais vraiment bien savoir le temps de travail sur par exemple ce modèle là. Énormément de taf. Framestore, bravo à vous. Ah, juste après, j'ai reconnu le nom, c'est Stargate Studio. Alors, Stargate Studio, je les adore. La vidéo qu'on va voir est un peu vieille, elle date d'il y a 10 ans, en 2009. Mais là, pourquoi je l'aime bien? Parce qu'elle est très connue, cette vidéo, et c'est parce qu'en fait, Stargate Studio, c'est un studio qui est spécialisé notamment dans les environnements et qui font très très bien le remplacement de fonds verts par des environnements. Stargate Studio, ils sont vraiment dingues. Là, je suis sûr que rien n'est vrai. Voilà, Stargate Studio. Ils sont incroyables. Ça a dû être trop chiant. Le feu sur du fond vert, c'est trop chiant. C'est trop trop chiant de ouf. Tout la fumée là, ça a dû être insupportable. Ah oui, alors ça, je me souviens, c'est la meilleure scène. J'ai déjà vu cette vidéo il y a longtemps, en fait, c'est pour ça que... Regardez-moi ça. C'est incroyable. C'était pour la série Ugly Betty. C'est des ouf, hein. Et c'est là où vous vous dites, ouais, ça coûte vraiment si peu cher de tourner en studio que c'est plus rentable de tourner en studio que de tourner dehors. Parce que c'est pas non plus des scènes incroyables qui se passent, hein. Ils tournent dans la rue. Mais les permis de tournage, tout, c'est tellement cher qu'ils en viennent à faire ça, quoi. À la télé, il y a moins de budget qu'au cinéma, donc ils ont pas forcément l'argent d'aller se déplacer partout dans le monde. C'est beaucoup plus simple de construire un tout petit bout de rue et puis de refaire tout le reste après. C'est pas con, hein.
c'est carrément Moscou en 3D quoi, putain. Voilà, par exemple, ça, cette scène, c'est logique de l'avoir fait en studio, parce que ça coûterait beaucoup trop cher de privatiser cet endroit qui est à Washington et qui coûte sûrement une blinde quoi. Ça, c'est Las Vegas, et ils ont fait un faux endroit rooftop. Ah la vache, c'est très très inventif parfois. Hein. Alors ça, ça a dû être bien chiant avec la flotte qui a dû réfléchir le fond vert. Oh d'ailleurs, je crois qu'on... Attends, c'est moi ou comme c'est du travail qui date d'il y a 10 ans? Ouais, les cheveux de la meuf sont un peu bizarres encore là. C'est ouf de regarder cette vidéo 10 ans plus tard, parce que moi je l'ai regardé à sa sortie cette vidéo, et de voir quelques petits détails, de voir des trucs qui collent pas et tout, c'est marrant, alors qu'à l'époque c'était le top du top. Après, franchement, faut pinailler, parce que c'est grosso modo parfait quoi. Mais ouais, c'est marrant de revoir ça avec des yeux un peu différents quoi. Oh, Heroes, putain, cette série, mais old school. Ce plan était faux, putain, je me souvenais plus de ça. Le plan Times Square était faux, merde. Ça m'a donné envie de regarder Heroes. Je sais pas quoi regarder en ce moment, c'est quoi, je me rematais Heroes. On continue avec The Walking Dead, toujours par Stargate Studio. Mais alors du coup, un peu plus tard. Là, c'est du travail de leur part un peu plus récent. C'est marrant, ils ont choisi de prendre les sacs plastiques et tout qui volaient sur fond vert et pas de les faire en 3D. Ça devait coûter moins cher. Putain, tout ce travail pour, en final, noircir tout parce que c'est de nuit. Tout ça pour ça. Merde. Ok, qu'est-ce qui est faux? Là, j'imagine le décor de la maison. Ouais, voilà, ok, d'accord. Ouais. Ah, c'est drôle, même le rotor de l'hélicoptère était pas vrai. Alors ça, je me demande pourquoi, parce que si t'as l'argent de louer un hélico, en soi, je vois pourquoi est-ce que le rotor serait plus cher. Tout un environnement 3D, ça c'est des figurants, et ils les rajoutent pour faire un machin plus réaliste. Et oui, parce que du coup, tes figurants ont des mouvements que tu peux plus facilement contrôler que tes trucs 3D, en y passant moins de temps de travail. Doctor Strange, un film très très bien, encore fait avec Framestore cette fois-ci. Je sais pas s'ils ont fait les environnements là-dessus, je pense pas. Mais il y a un moment dans Doctor Strange où il y a une espèce d'environnement où la ville part en couille et tout, et c'est très très joli. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est tout l'effet du halo là de Doctor Strange, comment est-ce qu'il est fait par eux directement. Parce qu'il y a plusieurs techniques pour des gens qui l'ont refait et tout. J'aimerais voir comment eux ils le font. Voilà cet effet là de portail. Ok, alors en fait, ah mais c'est pas plus con. En fait, ce qu'ils font, c'est ça, ils construisent un mini set fond vert derrière un machin de LED. Le machin de LED sert à faire la lumière sur les acteurs, comme ça ils ont pas à la simuler en post-production, ce qui est très dur. Sur la vraie vidéo, ils ont la vraie lumière, et après sur le machin fond vert, ils incrustent le plan d'après et ils rajoutent l'effet de portail. C'est pas plus idiot, hein. C'est assez pratique comme façon de le faire. Et après, de façon comme c'est du fond vert, il suffit de l'enlever et de supprimer le truc de LED qui était déjà là, quoi. Bon, c'est beaucoup de taf dit comme ça, mais en vrai, dans la logique, ça se comprend et c'est pas bête. Voyons voir maintenant Baobali, un film indien. Et les Indiens sont en train de devenir extrêmement bons en effets spéciaux, no joke. L'Inde, entre le fait qu'ils aient la plus grosse chaîne YouTube du monde et que leur industrie du divertissement commence à vraiment prendre de l'ampleur à l'international, faut faire gaffe parce qu'ils vont monter extrêmement vite. Et en VFX, tout ce qui est effets spéciaux, en filmmaking un peu vénère, ils ont des réalisateurs bien tarés qui font des gros films un peu nawak. Mais ouais, ils commencent à avoir du level. Alors c'est pas toujours parfait, mais franchement, ils sont plus très loin. Hein. Ils ont rattrapé un retard très très rapidement. Et c'est intéressant à voir comment ils évoluent, parce que ça va très vite quoi. Voilà, là par exemple, le taureau, il a un peu la peau, on dirait du plastique quoi. On dirait un peu un jouet. C'est typiquement les problèmes qu'il y avait dans les films américains au début des années 2000. Ils savaient pas très bien simuler la peau et surtout la lumière qui traverse la peau. Maintenant en 2019, on sait faire ça de manière parfaite. Et eux, ils en sont au début des années 2000 quoi, dans ce film par exemple. Donc comme la technologie est encore plus accessible qu'elle ne l'était avant, il y a tout à parier que dans quelques années, ils vont rattraper le niveau beaucoup plus rapidement que les Américains, ça leur a pris de prendre ce niveau. C'est intéressant. Bravo Baobali du coup pour cette vache en 3D de qualité, c'est un taureau n'importe quoi. Messieurs dames, j'espère que ça vous a intéressé ou que vous avez appris quelque chose pendant cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner et mettre la cloche pour suivre nos deux vidéos par semaine. On se retrouve à la prochaine. Salut !